Allez, salut à tous les amis, c'est Low2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 en compagnie de Yanamu. Bonjour à tous les amis, ici Yanamu, donc bienvenue pour ce nouvel épisode de Civilization 5, toujours en multi avec mon copain Learn2Play. Ouais. Donc si vous n'avez pas suivi, si vous ne comprenez pas pourquoi Basra est devenu Celte, ainsi que Khurasan et bientôt Anjar, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à moi, la mienne, hein, voilà, Yanamu 81, hein, cherchez directement sur YouTube, parce que là, te plaît, t'as un vieux sac, n'est non, pas mais fou, je t'ai dans ma... je de t'ai... mettre le lien de ma chaîne je en t'ai description dans ma... de la t'ai vidéo. Je t'ai dans ma subbox. Oui, la subbox, c'est la liste d'amis qu'il y a en haut à droite, hein, pour ceux oui, qui voilà, comprennent pour pas l'anglais, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'interlude numéro 6, voilà, parce que ainsi vous saurez tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, quittez maintenant la vidéo et allez voir cet interlude, parce que dans 10 secondes, je vais vous spoiler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, spoil ! Oh yeah ! On est en guerre contre le Japon, on est en guerre contre l'Arabie, et je suis en train de me les faire au petit deuil. Ah oui, c'est vrai, il y avait l'interlude avant. Vous savez strictement pas ce qui s'est passé, donc petite information, on a fait la paix avec les Portugais. Les Portugais. Oui, tout à fait, on a fait les Portugais de Lisbonne. Et donc j'ai réussi à leur prendre Funchal, ça c'est une chose. Juste après, les Japonais m'ont déclaré la guerre, ils m'ont envoyé deux bombes nucléaires, les Saligos, sur Maastricht. Le truc avait 6 citoyens, le truc dont j'en ai rien à foutre, les mecs sont complètement cons. Et là ça fait à peu près quelques tours qu'on se dispute Suho. Vous voyez, elle ressemble pas à rien Suho. Mais je vais la capturer, je vais décimer un petit peu toutes leurs unités là avec mes méca colosses de la mort. Et puis je vais prendre IC aussi. Autre information, les Portugais, enfin les Japonais ne sont pas en guerre qu'avec moi, ils sont en guerre avec les Japonais. Et avec les Portugais. Les Portugais, pff, ça je dis n'importe quoi. Ils ont bombé à mort Lisbonne qui était à 28 ou une connerie comme ça, ils sont plus qu'à 19. Tout a été décimé. Donc ils sont vraiment mal les Portugais, il leur reste plus que leur marine pour pleurer. Enfin voilà. Et donc c'est la marine, pas Le Pen, hein, juste la marine tout court, hein. La marine, comment ça? Pas la quoi t'as dit? Pas la Le Pen. Oh. Oh, Yanamu. Elle est petite celle-là. Tu te devais pas. C'était un dernier. Je me devais de la faire, oui. Non. Si. Non. Bon, alors. J'ai des ex-squads XCOM dans tous les sens. C'est un truc moi aussi, de malade mental. Je vais sûrement me les faire bombarder, mais ça fait très très mal. Vous voyez qu'ils ont pas mal de lance-roquettes. Ils ont. Ouais, ici, faut pas faire attention. Ils ont des zéros et un bombardier, donc j'en ai rien à foutre. Je vais aller leur méga colosser la gueule. Ils vont comprendre ce qui leur arrive. Hop. Ils vont pas comprendre, pardon. Justement. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà. Alors, ça, tu prends. Ça, tu prends. Ça, tu bastonnes. Voilà. Bon, mon méca colosse risque de prendre un petit peu cher. Évidemment, je pille pour tac, on va le reculer. Et piller, paf, pour les soigner. Ils vont se prendre pas mal de roquettes, le pauvre. Mais je vais réussir à choper Suho de nouveau. Bon, ça va être un peu compliqué. Oh, je gagne 241. J'avais même pas fait gaffe. C'est l'amour, ça, c'est l'amour. Ici, j'ai mon petit bateau atelier, tac, qui va me faire de l'or. Ici, bah, je continue à développer les chemins de fer. Ah oui, j'ai mon bombardier furtif de l'amour. Le bombardier furtif de l'amour. Ah, j'ai un deuxième bombardier furtif de l'amour. Ah, mais merde, du coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Learn? Oh, j'ai joué. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'aurais pu la reprendre à ce tour-ci. Bah oui, c'est ce que. D'ailleurs, c'est en fait, ce que le bot avait fait quand j'avais passé le tour. Il a utilisé ses bombardiers avant. Et moi, comme un crétin, bah, je les ai utilisés après. Du coup, bah, va falloir que je la reprenne. Bon, oh, c'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Un détail qui a toute son importance, Learn. Mais non, ce n'a que peu d'importance. Donc là, vous voyez, les gens, moi, je suis à fond
Il est à fond, hein, il peut pas aller plus loin. Dans tout, quoi, parce que là, je suis vraiment à fond, vous voyez. Je balance des squads, comme même là où c'est que j'ai encore un paquet de bâtiments à finir. Ah oui, petite info aussi, juste deux secondes, désolé de te couper. J'ai fait un accord commercial avec la portugaise là, et elle me fournit de l'uranium, ce qui m'a permis de faire un missile nucléaire et plein de mécacolos. Voilà, je te laisse reprendre. Non, mais c'est bon, moi tu sais. Vous pouvez également voir que j'ai tout plein d'or. Hein, donc faut pas poser la question d'où il vient, je n'en sais strictement rien. Il ne mais sait alors, pas. Absolument. Ouais, moi aussi, là, je gagne beaucoup d'argent en ce moment. Ça fait plaisir. Enfin, on gagne de l'argent. Du coup, qu'est-ce que je vais me faire, moi, de l'escouade XCOM ? Mecha Colosse de la mort. Tu restes là pour l'instant, non, mon coco. Toi, tu vas faire de l'arsenal, je pense. Allez, un petit arsenal. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas faire un pillage. Un petit Heindhoven. Tu vas me faire une bourse, Heindhoven. Oh. Les Mecha Colosse, les gens, ils sont trop forts. Évidemment. Coup, tu peux piller 4 fois avec. Mais c'est n'importe quoi. C'est Nawak, c'est l'amour. Voilà. Je vais faire un stade ici. Un atelier apparemment. Puisqu'il me conseille fortement. Oh, Yanamu, t'as tellement trop de marchands illustres, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez voir que je suis en train d'attaquer 3 villes en même temps. Quand même. Ce mec est un ouf. Si ça, c'est pas malade. Toi, tu je vais faire des coco. Missiles guidés parce que ça peut être pas mal. Toi, tu passes ton tour, la caravane. Petit missile guidé. Du coup, je reprends lentement ma croissance. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Ici, je vais faire un château. Ça va me rapporter du bonheur. La bonheur. J'ai cette caravane de l'escouade XCOM. J'ai un missile nucléaire prêt à Amsterdam. Amsterdam qui doit se redévelopper. Du coup, je peux passer le tour. Ah non, Altmer, ici, je peux faire mal à des bateaux japonais. Excuse-moi, je suis en plein boom. Les bateaux japonais. Putain, j'aurais dû reprendre Sio, je suis con. Bon, c'est pas grave, ce sera au prochain tour. Du coup, je vais décimer toute cette petite armée. Puis aller choper IC, hein, tout simplement, remonter sur Shimonoseki. Et puis après, on fera peut-être la paix. Et je me concentrerai sur les Portugais, Lisbonne, Porto, Braga, Coimbra. Voilà. Ou alors je continuerai chez les Japonais. Ils ont que des zéros, les pauvres. Je sais pas comment ils font les ordi. Ici, il va falloir que je répare tout encore une fois. Ça fait chier à Maastricht. Tour suivant. Attends, moi j'en suis pas là encore. Hein. Tour suivant, j'ai dit. Je m'excuse, je suis en train d'acheter des sous-marins nucléaires, moi. Je m'en fous. Tour suivant. Non. Si. Voilà, si. Allez les amis, donc vous pouvez voir que là je suis en train de prendre 3 villes en même temps. Ah oui, je vais faire un petit point de vue sur toi. Alors là, vous voyez, c'est le massacre à main. il attaque avec 9 méca colosses. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 10, 7, 8, 9. 9. Bah, 3 autour d'Anjar, 2 autour de Fuxat, 1 qui est perdu, 3, 5, 6, 4 autour de Kufa, ça fait 10. Je l'avais pas vu celui-là. Oui, ça fait. Il a 10 méca colosses. Ça veut dire que t'avais 10 d'uranium de dispo plus toutes tes équipes. En effet, parce que en fait, j'avais échangé 4 d'uranium avec l'Allemagne, je crois. Et du coup, voilà quoi. Voilà, tu vas rouler sur les Portugais. Hein. Tu vas leur choper 50. Je vais rouler sur les Arabes. J'ai des problèmes. C'est simple. Dès que je conquis la Mecque, je signe un traité de paix avec le Japon. Du coup, les armées vont vite se ressembler. Hein. Escouade XCOM, méca colosses. Enfin. Moi, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'uranium, donc je vais quand même rester sur de l'infanterie mécanisée, un peu de bazooka, des lance-roquettes. Mais voilà quoi. Parce que j'ai là, pas assez d'uranium. Tout se ressemble. Moi, il me faut de l'uranium. Eh oui. Moi, je suis. Allez, tour suivant. Moi, je suis pauvre, j'ai pas d'uranium. Là, avec Kufa, je vais capturer 4 d'uranium de plus, ça va me faire trop plaisir. Je suis obligé, de mendier au portugais. Vous vous rendez compte? Honte. Vous rendez compte. Vous pouvez voir qu'ici les enfoirés de japonais sont en train de piller mes bateaux de pêche. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Chichen Itza? Wouah, les japonais. Ils les japonais de l'amour qui se sentent plus. Une unité a été éliminée. Oh, je m'en fous, j'ai juste à récupérer la ville. Alors, Yanamu, grande nouvelle aussi. Tu as fait une proposition aux Nations Unies. Mmh. Oui, je t'en souviens plus. Oui.
Et oui, 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 c'est possible. Qu'as-tu proposé, embargo sur le Japon? Eh ben, je dis oui parce que je suis en guerre avec le Japon. Ouais, j'ai proposé un sale embargo sur le Japon. Sachant que ouais. J'ai plus de délégués, puisque Yanamu m'a gentiment montré que lorsque on peut transformer ces espions en diplomates lorsqu'on les envoie dans une capitale adverse, et ça nous fait plus de délégués au Conseil des Nations Unies. Voilà. Vous pouvez voir que moi j'en ai 9 d'ailleurs délégués. Donc je mets tout oui sur toi, embargo sur le Japon. Engagez les délégués. C'est ça. Voilà. Cork peut être plus. Alors ici. Pardon, j'ai failli dire quelque chose là, mais là je suis très mal là. J'ai gagné des citoyens, je suis dans le malheur, j'ai gagné pas mal de citoyens, voyons voir combien de démographie j'ai pris. 149 millions, j'ai pris 4 millions d'habitants en un seul tour. C'est l'amour. L'amour. Ok, ils se sont barrés ici, j'ai pas trop compris. Almer peut attaquer un ennemi proche, apparemment non, ça je m'en fous. Mon ex-squad XCOM a été décimé ici malheureusement. Et là, bah ouais, les mecs se rapprochent, hein. De rien, les mecs se rapprochent. Ils vont me niquer mes bateaux de pêche, j'ai l'impression, les Japins, avec tous leurs sous-marins et toutes leurs conneries, là. Ah, c'est possible qu'ils te niquent, hein. Ça va faire mal. Après, à ce qui paraît, tu aimes la sodomie. Oh non, putain. Oh, tu te devais mais pas. J'étais obligé. Excusez-moi, les gens, j'étais vraiment obligé. Merde. Oh, le con. J'ai fait une... Non, c'est pas grave. Toi, tu vas aller enrichir Cardiff, voilà, hop. Hop, annexer la ville. Ah oui, on m'a dit que je pourrais faire des villes fantoches aussi. Ah non, je sais plus si on m'a dit ça. Je crois que c'est sur la partie multijoueur. Ah ouais, si j'en fais une ville fantoche, je peux quand même décider de l'annexer après. Oui, mais ça t'apporte quand même un gros malus en tout. Ouais, bon, bah autant l'annexer, hein. Allez hop. C'est bon, en plus ça m'apporte que dalle, la ville vaut plus rien, elle est à 1, c'est la mort, c'est juste histoire d'avoir un pied à terre ici, quoi. Tu voyais ce que je veux dire Bon, nous allons assurer la conquête de Kufa, qui est leur approvisionnement en uranium à ces enfoirés d'Arabes. D'abord, je vais ramener l'escouade d'XCOM de l'amour, qui est ici, je vais l'envoyer là, je pense qu'elle est assurée. En plein milieu, ici, histoire de s'en servir comme bélier, un peu. Kufa est à moi. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et je suis à 6 de malheur. Je risque d'être bombardé par toutes ces roquettes. Il faut que je vise en premier les roquettes. Waouh, la masse de zéro qu'il a ramené. Faut que je défonce toutes ces roquettes. Heureusement, mes méca colosses peuvent encaisser, mais... mais ça reste tendu quand même. Hein. Les méca colosses, sans déconner, je peux quasiment tous les améliorer. C'est trop bon ça. On va les mettre là. On va la jouer fino. Vous allez faire de l'argent. Vous allez décontaminer. Parce qu'ici, c'est toujours pas décontaminé. Ah, j'ai mes bombardiers. Les bombardiers qui vont pouvoir viser les bateaux. Ouais, mais non, en fait, c'est trop... Ouah, je peux viser super loin. Je vais pas l'acheter ici, en fait, le sous-marin. Je vais l'acheter ici. Ah, le problème, c'est qu'ils ont trop d'avions, quoi. Je peux me faire intercepter. Vous voyez l'or que je perds, les gens, hein. Ça vaut peut-être pas le coup. Cela ne vaut pas le coup. Donc, Kufa est à moi avec ses réserves d'uranium, bien entendu. Toi, tu vas ressortir de la ville très vite, mon ami. Voilà. Remplacé par une squad, XCOM ici. Ici, là, ils vont me faire un tribunal dès qu'ils vont le pouvoir, bien entendu. Hein. L'escouade XCOM se fortifie d'ailleurs. L'escouade XCOM également ici, là. Elle va se téléporter à ici. Percurassant. Ils ont pris un peu cher, mais ça va. J'ai fait mal ouais, à ce truc. Je vais bientôt en bombarder furtif. Bah écoutez, Squad XCOM, hein. X-Squad XCOM, voilà. Hein. Je rush les X-Squad. Les escouades XCOM, pardon. Ici, j'ai des sous-marins. Anger. J'ai les yeux qui me is piquent. Mine. Yeah. Oh là 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 là. On fait la fête. Le mécontentement augmentera de 17. Ah. Je suis à 6, ça me fait donc 11 de malheur.
Je vais en faire une ville fantoche. Parce qu'ainsi, mon mécontentement n'augmentera que de 12. D'accord ? Ouais. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Voilà. Donc là, vous voyez les gens, j'ai mis un sacré coup dans la gueule des Arabes. Mm-hmm. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, je viens de leur prendre deux villes. Je pourrais limite leur prendre Foustat. Mais si je leur prends Foustat, je suis dans le malheur le plus absolu. Et moi, faut que je construise un... Oh, par contre, la ville n'est pas en résistance. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai même pas besoin de faire un... Ah si, j'ai besoin de faire un tribunal. Je risque de me la faire reprendre, donc je vais pas le construire tout de suite. Je vais d'abord décimer un peu toutes les unités qu'il y a autour. Dans les bâtiments ? Oui, non, mais je te parle des unités militaires. Ah. Enfin, faut tous les lance-roquettes et tout, parce que ça me bombarde, ces merdes-là. Ah, qu'est-ce que j'ai à l'œil ? Ah, ça me pique ! Ah, désolé, les gens. Ah, flûte. Vous nous voyez, il est dans la zone. Lui, il nettoie aussi. Dieu, je sais pas lui, ce que il j'ai. Continue à nettoyer. Pique les yeux, là. Wouah ! Bon, excusez-moi, je reprends. Mon Dieu, ça m'a tué, là. Fou. Alors. J'ai été capturé le petit ouvrier adverse. J'hésite à directement en fait fondre sur la Mecque pour séparer leur ville, leur territoire, là. Fondre sur la Mecque. Ouh, t'as pris ouais, deux villes sur la coup, mec, là. Ouais. Oh là 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 là. Voyons voir en c'est un territoire. Territoire. J'ai pas été voir la démographie ah encore. Ah non, je suis toujours en premier territoire. Avec IC... T'es à 7,090 et je suis à 6,000. Avec IC, là, ça... Donc, j'ai bien remonté, là. Franchement, j'ai bien remonté, là. Bon. Ouais. Faut que je leur décime toutes leurs unités, c'est chaud, là. Remonté. Ils en ont trop. Après, faut que je... Mon empire devient trop vaste, vraiment trop vaste. Capture les villes, faut... Ah, trop de choses à faire, là. C'est clair, trop de choses à faire. Je fais des exquadis... Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais en faire. Des exquadis comme dans tout. J'hésite à prendre Foustat, du coup. Je vais faire des exquadis. Et en fait, je vais me reculer pour mieux me soigner. XCOM, 3 tours... Oh, je gagne plus que 188, hein, quand même. Ça baisse... Quand on produit une unité militaire, ça baisse, hein. L'argent. C'est quoi que j'ai là ? Missile guidé. Oui, je me mets par là, les gens, histoire de pouvoir fortifier les trucs. Histoire de les soigner, surtout. Donc, bon, rappel, fortifier la touche F de votre clavier, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ah ouais ? Je savais pas. Oh ! Ah non, j'ai rien dit. Gros faux espoir. Du coup, Foustat, je vais lui foutre la paix pour l'instant. Vous voyez, je vais reculer mes troupes un petit peu. Le temps que je gère et la perte d'or parce que je perds 281 or par tour. C'est métal. C'est métal. Surtout, je leur ai pris leurs ressources d'uranium, donc là, je suis fier de moi. Voilà, c'est surtout ce que je voulais. Franchement, ouais. Du coup, t'as combien en plus ? Bah, je l'ai pas exploité encore. Il est pillé pour l'instant. Ah d'accord. Il est où ? Je l'ai pillé pour à côté. Ah ouais, là. Oh 4, tu pourras m'en passer un peu quand les Portugais arrêtent. Je serai à zéro. Je serai à zéro. Ah d'accord, tu seras à zéro. D'accord. Parce que si t'avais regardé ma vidéo, tu sais que je serai à moins 4. Ah bah d'accord, je savais pas, désolé. Non mais voilà quoi. Non voilà. Mais voilà. Moi je dis ça. Y'a quoi je dans dis cette rien. Ville d'ailleurs, tiens. Va falloir que je fasse la masse de lance-roquettes, mon dieu, pour leur décimer leur marine à la con. Il y a un zone temple, un putain de bibliothèque, un hôtel, un aqueduc. D'accord, il n'y a rien du tout en fait dans cette ville. Il n'y a strictement rien du tout dans cette ville. C'est la ville de l'infini à Anjar. C'est ça. Sans mentir. Tu me diras, je vais récupérer les teintures. Il faudra que j'aille vite faire les soigner. Mais d'abord, il faut que je récupère des ouvriers là. J'ai pas le choix. Hein. Hop là, je peux leur bombarder avec mon bateau. Leur sous-marin à la con. Vous pouvez voir d'ailleurs que le Japon essaie de reprendre Cork. Il faut surtout que je vise les cuirassés et destroyers, mais sachant que les sous-marins nucléaires, eux comme moi, on s'entretue en un coup. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais bientôt allez, prendre tour suivant. IC, je vais bientôt prendre IC, ça va être l'amour. Ah, ça y est, tu commences à... Ah, mais non, tu l'as pas encore défendu. Non, mais attends, déjà, faut que je... Hein, j'ai su... Oh, j'aurais dû mettre un méca colosse dedans. Quel idiot. Non, ça sert à rien, tu l'aurais perdu quand tu aurais repris la ville. Ah ouais. Bah non, mais ouais. Il aurait été plus résistant que l'infanterie mécanisée qui a plus de vie là, non ? Non, ça non, change non, rien. Ça, ah oui, non, je suis con, c'est la... Ah, oh, c'est bon, hein. Hein, c'est bon. Bon. Voilà.
Allez, tu. Et après ça, ah, je merde, m'attaque pardon. À Byzantin. Constantinople à côté là. Hein. De quoi? En même temps, je réduis. Après, juste quand j'ai fini l'Empire arabe, je m'attaque à Constantinople à côté. En même temps, je réduis l'Empire russe. Enfin, j'enlève Damas à l'Empire russe. D'accord. Mais on fait la paix quand tu veux, du coup, maintenant. Contre qui, pardon? Contre le Japon et. Ah non, non, attends, j'essaie de me capturer ici avant. Oh, ils ont repris Suho, t'es sérieux? Ah bah oui, bien sûr qu'ils reprennent Suho, t'as vu la marine qu'ils ont? Ah, embargo contre le Japon, C'est passé? Ouais. Oh, nos 2 fois 9, oui, ils ont fait super mal. Ah, je gagne 281. Oh, Chimoyo, ils m'ont fait très mal, là. Alors, attends. Alors, je dois faire une nouvelle proposition. Qu'est-ce que je propose ce coup-ci? Excellente question. Oui, excellente question. Bien écoute, je sais pas. Bannier, ressources de luxe, argent, on l'enlève? Ouais, on l'enlève. Ok. La proposition est engagée. Donc, toi, ma petite escole XCOM, tu vas aller sur Basra. Tu vas te téléporter ici. Allez, téléporte. Voilà. Et tu vas sur Basra, ce qui va réduire mon malheur. Je préfère. Hop, je préfère. J'ai encore un marchand illustre. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? Il y en a à côté d'autres là-bas, tout. Alors, j'ai un sous-marin nucléaire quelque part, ici, voilà. Qui, du coup, va aller se soigner. Donc, plus de missiles nucléaires, j'en suis sûr. Donc, on va le soigner ici. Voilà, allez hop, j'annexe cette putain de ville. Je sais pas trop quoi prendre là. On va prendre ravitaillement, on peut se soigner en dehors du territoire allié. Alors cet ouvrier qui est là, il va retourner ici immédiatement, réparer ça de suite. Voilà, comme ça je suis à zéro. Je suis à zéro en termes de... En termes de pouvoir nucléaire. Toi, tu vas casser ça de suite. Bon, mais bon, mardi, allez, ils vont aller faire leur boulot, leur job. Ils vont aller faire leur job, hein. Ils vont faire leur job. Tu vas te mettre ils vont faire le job. Derrière. J'ai un ouvrier ici que je vais téléporter. Ouh, ils ont pris cher, les bombardiers, là. Vous voyez, la téléportation, comme c'est utile. Paf. Mon dieu. Une caravane qui va apporter de la prod à Cardiff. Non, c'est tout à fait ça. À Pésance, tiens. Ah, yeah, relié. De la bouffe à Brest. Ça, c'est relié. Maintenant... Ouais, continue à apporter de la bouffe à Brest, va. Bah. Ça, c'est relié. Alors ah, ici, ouais. Nous avons une nouvelle Squad XCOM. Comment ils mettent leur porte-avions ici, c'est quoi, ça? Voilà, qui va fortifier. Ils ont pas honte, toi, tu fortifies pas, toi? Je suis pas d'accord, voilà. Moi. Il y a un moment, je refuse. Voilà. Je répare. Ça, ce lance-roquette-là, va falloir que je décime. Va falloir que je décime ce truc, ces bazookas, cette infanterie, ces trucs-là. Va falloir petit à petit, je vais tout désinguer. Ah, il faut tout désinguer, de toute façon. Je vais construire ce tribunal de merde. Suho, ah. C'est incroyable, hein. On la reprend, ils la reprennent. Enfin, je la reprends, ils la reprennent. C'est. Non, mais ça n'arrête pas, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais c'est tout le temps. Tout le temps. Il y a un moment. Oui. Voilà, bon. C'est chiant, quoi. Ouais, c'est chiant. Qu'est-ce que je vais faire ici? Laboratoire. Je vais faire un port. Ce que j'aime. Oh, tu es un porc. Non, moi je fais un par. Parce que les parts, c'est bien les parts. Quand tu es spatial, ça me sert à rien, ça. On fait. On a plus du tout d'or, les gens. On a plus rien. On va faire une école militaire. Tiens. Par. Et tu es. Alors, j'ai des unités qui ont acquis suffisamment d'expérience. Hop. Là. Comptoir. Toi l'ouvrier de l'amour, tu répares. Toi l'ouvrier, tu viens ici mon pote. Ah, ça ce sera enfin relié. Escorté par monsieur.
Comment ça peut être relié, ça? Il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a un truc que je comprends pas tout, là. J'aime bien parler français. Cufa, cri, famine. Ouais, je suis premier partout. Hop. Alphabétisation. Voilà, eh, 98%. On est tous les deux les premiers. Ah. On a une population éduquée. Donc pour l'instant, on peut voir que Cufa, ouais, tout est ravagé, hein, voilà, donc je peux rien faire dessus. Curassan, ils ont quatre bonhommes. Ah, d'ailleurs, ça me va pas, tu vas aller là, toi, parce que pour l'instant, la production n'en a rien à faire. C'est Puis de toute façon, je perds tellement d'or que c'est pas 4 heures de plus ou de moins ce qui va changer la donne. C'est ça. Abasra, il est tout seul, le mec, tout seul. Il exploite une case de zut, donc on va le déplacer, on va le mettre ici, voilà. Ouais, d'abord. D'abord, pour que cette ville se mette à croître. Et Anjar, pour l'instant, je peux pas, mais bientôt. Parce que, voyons voir si j'annexe la ville. Je prends combien de malheurs? Je sais même pas. Il sait pas. Je sais pas, je vais attendre un petit peu, parce que pour l'instant, je suis à 3 de malheurs, hein, vous l'avez vu. Moi, je suis à 3 donc aussi. On va attendre. Faut que je refasse des méga colosses. Pourquoi je fais pas de méga colosses? Je suis stupide, en fait. Faudrait que j'en fasse. Pour aller choper les Japonais, là. Ça met combien de temps? L'Indonésie, je pense, va chercher à m'attaquer. Au pire, j'en achète un. Ça vaut combien? Marin nucléaire a été détruit. 800. Ah, ça vaut cher, quand même. Il a été détruit. Et un personnage illustre. Allez, maintenant, je peux passer aux constructions. Donc, à Dublin... Allez, j'en achète un. J'ai fait une folie, j'ai acheté un méca colosse à 800. Ouais, ça va. À Dublin, tu vas me faire une centrale hydroélectrique. Je gagne 200 au prochain tour, donc... Voilà. À Cardiff... Tu vas me faire un hôtel. Voilà. Ici, tu me fais un chantier naval pour avoir plus de bonheur. Toi qui as tout à faire, tu vas me faire un zoo, vite fait, bien fait. Toi qui as tout à faire. Voilà. Et tour suivant. C'est le tour suivant. C'est le tour suivant de la mur. J'ai hâte de voir que mes mecs à colosses se sont réparés quasiment tous. J'ai hâte de pouvoir. J'hésite à attaquer Foustat. Les Portugais. J'hésite à attaquer Foustat en fait. Foustat. Bah pourquoi? J'ai trop de malheur. Ah. Je suis obligé de me freiner parce que j'ai trop de malheur. Ça c'est un truc de ouf. Ça c'est quand même un truc de dingue. Regarde-moi le Japon, tout ce qu'il m'envoie dans la gueule là. Où ça? Ah bah ouais. À Cork. Ouais, Chicken Itza, là, c'est... Wouah, comment ils investissent... C'est n'importe quoi, là. Comment ils investissent mon port, là. C'est haut. Wouah, les mecs, je suis pas d'accord. Oh, ils ont pas réussi à reprendre Suho. Yes. Mon sous-marin a été détruit. Oh, et en plus, mon méca colosse arrive à point nommé. Il y a plein de sous-marins partout qui veulent m'attaquer. Ils volent à mort. Kajamada complote contre Bismarck. Unité à cube d'expérience. Voilà, F. Ville reliée. Non, tu vas partir. L'ouvrier de l'amour, tu viens là, toi. Hop, hop. Oh, j'ai une toi, t'as réparé X-com. Ça, tu vas là. Tu pars. Ah, il essaie de m'attaquer. Je vais faire une unité qui soigne. Parce que comme ça, c'est vachement pratique. Les unités qui soignent. On est d'accord. Méca colosse de l'amour qui ici, est où? Il va falloir que je fasse une déviation de la route. Soigne. Toi, tu continues à réparer, mon pote. Hein? Et voilà, hein. Toi, faudrait que tu fasses. Ah oui, toi. Je vais t'envoyer réparer aussi, là. Ah oui, alors hop. Attends. Bah, il y a tout à faire là-bas, hein. Bah, ce serait tout là où vous avez vu tout ce territoire à conquérir. Mais c'est le territoire de l'amour, hein, c'est ça, ça. Carrément, j'hésite même à faire deux chemins de fer pour y aller, tu sais, histoire de. Putain. Allez, voilà, comme ça, c'est bon. Toi, tu décèdes. Je vais plutôt toi, t'as fini de réparer ça. Ah, c'est cool ça. Voilà, hop. Vous auriez pas dû passer en bateau. Ça, tu vas le ramener. Ici. Mon frère, il y a l'Indonésie qui va m'attaquer, j'ai l'impression. Qui va t'attaquer à toi, je sais pas, mais. L'Indonésie? Je sais pas.
Je vais pas faire la même connerie. C'est pas ce qui branle les mecs, mais choc 2, choc 1, choc 2. Normalement j'ai choc 3. Pourquoi j'ai choc 3 normalement? Ou j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, c'est ce que je viens de me dire. Ah si, je peux le redéplacer, ça c'est génial par contre. Je pense qu'on va laisser un ou deux ou trois méca colosses à côté de Cork, histoire de la reprendre quand ils vont la conquérir, parce que je suis à peu près sûr que l'Indonésie, là, ici, vont m'attaquer. On est en guerre contre l'Indonésie? Oui, on est en guerre contre l'Indonésie, Lord. Ouais, l'Indonésie. Ils veulent pas négocier la paix. Hein. La paix. C'est moi qu'ils attaquent, l'Indonésie, Lord. Ah non, ils t'attaquent à toi aussi, à Almar. À Akmar. Ah bon? Là, il y a mon marchand illustre, je vais le reculer, moi. Où ça? Bah, au-dessus du Sekaniza. Les Indonésiens? Les Japonais. Non, ils m'attaquent pas, ils m'ont rien fait. Pour l'instant. Ouh, je me suis rapproché, il va prendre cher, mon... Oh, il va prendre un peu cher, quand même, mon méca colosse. Il y a intérêt à ce que je le recule. Comment veux-tu que... Voilà. Heureusement que j'ai un deuxième... Non, regarde, ils sont là, ils sont posés là, et ils servent à rien. Ouais, sauf que moi, mes sous-marins nucléaires, ils tiennent pas la charge, quoi. T'inquiète. J'aurais dû en faire un. Clairement, là, je tiens pas la charge. Ouais. C'est un dépôt d'armes. La musique est gave et bien. Moi, je sais pas, je joue sans la musique, tu sais bien. Ah, bah, tu devrais. Moi, j'ai pas très envie de jouer à la musique. C'est un affront. Un affront. C'est juste que j'ai pas envie de jouer avec la musique, c'est tout. C'est un affront. Rien de plus. Je dois en parler comme ça. Allez, je passe le tour quand tu veux. Moi, je fais que des escouades XCOM. Parce que... YOLO! YOLO! C'est japonais de mes deux, ils vont finir par me laisser, non? Je vais mettre en retrait deux méca colosses. Arnhem. De préférence. Arnhem qui va faire un arsenal. Je vais faire une bifurcation. T'as plus rien à faire là, donc tu vas là. Ici. Comme ça, ça me permettra de relier tout. Ah, et je pourrai enfin traverser tout l'Empire. Bon, ça c'est fait. Ils vont quand même faire pas mal. Enfin, ils vont faire mal à Suo. Ils vont se concentrer sur ce méga colosse là. Heureusement, il y en a un autre qui arrive. Et là, va falloir que j'envoie la sauce et que je leur détruise le maximum d'unités et que j'attaque IC. IC sera bientôt mienne. Bon courage. Bon courage. Je te remercie. Pense à bombarder depuis Almer le destroyer japonais qui est là-haut. Pour ton île là. Je peux pas. Hein. Trop loin. Tu peux pas? Ah merde. Trop loin. Cru. Non, mais il va se rapprocher ce blaireau, tu vas voir. Tout va voir, tout par va contre, voir. La flotte des Japonais, elle est juste infinie. Quoi. Non, mais les Portugais, c'est pareil. Hein. Je sais pas, ils aiment la marine, hein. Ils sont très maritimes. Leur culture, tu comprends. Remarque, en plus, c'est vrai. Hein. Oui. En plus, c'est vrai. Ils ont peut-être. Ouais, c'est peut-être un petit clin d'œil. Des développeurs, on sait jamais. Tu passes le tour, Henri Michel? Ah, pardon, excuse-moi. Non, parce que bon, hein. Il y en a marre à un moment. Oh, hein. oh. Non, enfin, je veux dire, bro. Allez, d'ailleurs, je suis combien. Je vais certainement perdre mes deux sous-marins là, vous voyez les gens? Ah, merde, on peut pas voir. Fuck, c'est con ça. J'ai fait l'idiot, j'aurais dû les reculer davantage. 150 millions. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Destruction d'un bateau de pêche. Destruction d'un bateau de pêche. Ils m'ont pété. Ouais, oh moi, oh, c'est quoi les Indonésiens là? Oh putain, ils m'ont pété deux bateaux de pêche, les salauds. Il faut refaire un échange, Learn. Hein. Ça, j'accepte pas. Ah oui, je suis à 8 de malheur. Tiens, on va développer la technologie future. Oh, ça sert à rien, ça. Ouais, baleine et peinture. Ouais. Alors, l'accord stipulant que nous devions fournir des baleines a pris fin. Et toi, tu dois me fournir des teintures. Vas-y, refais l'échange, Michel.
T'as envoyé. Ah, oh, j'ai perdu mon méca colosse. Fuck. Waouh. Je sais pas ce qu'ils ont les Japs, mais alors ils sont en forme. Hein. Pars toi. Je n'ai pas d'autre choix que de les bombarder. T'as mon méca colosse. Oh, j'ai plus que deux de malheur. Je suis quand même à 150 millions. Mais là, la flotte, là, putain, je dois me refaire un bateau de pêche. Je dois me refaire un bateau atelier pour aller récupérer mes... Oh, mais putain, mais... Ils m'ont pourri tous mes bateaux de pêche, les salauds. J'en ai trois à refaire. J'ai mes trois bateaux de pêche, là. J'en ai un là... Et un là à refaire, quoi. Enfin, que je vais bientôt refaire, d'ailleurs. Donc vous comprenez pourquoi je recule les gens, je pense, hein, tout simplement parce que tout ça là, ça peut me péter tous mes sous-marins. Et ils me pètent d'ailleurs tous mes sous-marins, ces enfoirés. Donc on va essayer de les contrer avec des bombardiers. On va faire masse de bombardiers pendant un temps là. Ouais. Et les méca colosses, ils vont traîner dans le coin parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, je te confirme. Ça c'est bien, on peut s'aider avec des escouades XCOM. Oui. Ça c'est génial. Toi tu peux, si t'as envie... Ah ça c'est génial. Ça c'est super par contre. Si j'ai envie, je viens te voir quoi. Ouais, exactement. Oui, je casse leurs unités dès que j'en vois une, hein, aux Arabes. Toi, t'as fini de soigner ici, c'est cool. Tu vas les soigner ici maintenant. On répare là. Je vais utiliser mes exquad XCOM comme bélier. Je vais garder Bagdad en vue. Les escouades XCOM bélier. Là, j'encercle. Je les encercle. Là, je les encercle. Avec que des escouades XCOM. Comme ça, ils vont se focus sur elle. Venir par là, mon ami. Mon méca colosse, il va pouvoir aller faire le boulot. Et on va les démonter. Lol, suo. Tiens, on va les mettre un petit peu un point vert par là-haut. Alors, Basra possède désormais deux citoyens. Oh yeah. Il est où le deuxième? Il était là, on le met là, c'est tout. Toi tu vas Corps pouvoir crie réparer. Famine. Ah ouais, t'as raison de crier famine là, mais ça va bien. Là. Elle crie famine. Oh famine, famine. Une unité a été dissoute, le budget ne permettait pas de la conserver. Ah LOL, le budget Yanamu flanche. Flanche. Flanche, flanche, flanche. Gajamada complote en solitaire contre Genghis Khan. Mon sous-marin nucléaire a été détruit. Unité ennemie a été repérée sur mon territoire. Learn to play a accepté votre offre. Et unité a été dissoute à cause de négatif de mon budget. Bon, d'accord. Je vais faire des méga colosses. Les méga colosses. Les méga colosses de l'amour. Mon budget est un petit peu très mal en point là, les gens. Un je tout petit peu. Hein. Non, un tout petit peu. Un tout petit peu, un tout petit peu. Vraiment, vraiment très peu. Un chouïa. Une lichette. Une lichette. Une lichette. Ah, oh, mais fais chier. J'ai mes. Un, deux, trois. Trois bateaux de pêche à refaire. Hop, je les ai achetés. Du coup, pour l'instant, je vais attendre avant de réparer Cork, que tout le monde s'en aille. Hein, vous m'en ouais, voulez moi pas, aussi, mais... il va falloir que je fasse du nettoyage. Et que je remette mes bateaux de pêche au boulot parce qu'il y en a marre. Hein. Hop. Ah ouais, tu peux faire un truc, là, toi.
Tu vas créer un, oui, un comptoir commercial, vas-y, fonce mon gars. Allez, tour suivant, non? Ouais, tour suivant. Je perds 255 d'or, c'est la folie. Moi je gagne quasiment 200 par tour. Oh yeah, ça c'est la classe. J'ai mis un peu de verre du côté de chez toi. De verre? Ouais, de verre, V-E-R-T. Ah, de la couleur, oui. À côté de chez moi. À côté de Suwon, bref. Wouah, oh, wouah, 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 wouah. Wouah, wouah. Wouah, 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 wouah. Wow. Attends. Tant que ça? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Wouah! Wow. Les Indonésiens. Ivoire, truffe, etc. Wouah, ouais, ça déjà. Pouah, 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 pouah. Ça déjà. Attends, déjà, les ça, Indonésiens, ils s'aiment de me détruire là, je suis pas d'accord. Les Indonésiens. Ils attaquent à Chichen Itza? Ils ont pas trop compris, ouais. Ils ont un peu pas trop compris. Destruction d'une. Oh purée, j'ai une émeute. Des rebelles. Wouah! Learn! Mais non, t'inquiète. Learn! Regarde autour de Vembourg, tu vas rire. J'arrive, 2 secondes. Je suis à 20 de malheur. T'as 20 de malheur? 20. Ah ouais, merde. Viens voir autour de Vembourg, tu vas rire. Ah bah là, attends, je suis plié en deux, là. Allez, encore une cité-état qui nous déclare la guerre. L'Empire a plus de 10 points de mécontentement, une révolte éclatée. Meurs. Voilà, un des Edinburgh crie famine. Alors, comment ça se passe ici? Alors, stipulant qu'elle est mieux, tu dois me fournir des pierres précieuses. Je te dois de l'ivoire, je te dois de la truffe. Et tu me dois de l'uranium et des pierres précieuses. Et moi de l'ivoire et de la truffe. Et Wittenberg nous a déclaré la guerre. C'est des... Préfère pas plutôt c'est du des... cuivre, histoire de te remettre vachement bien en termes de... Cuivre, j'en ai pas besoin de ressources de luxe. T'en as pas? Ah, mais cuivre, c'est une ressource de luxe? Je savais pas. Ouais. Toi, tu meurs déjà. Alors. Edinburgh peut attaquer un ennemi. Quand tu veux pour les ressources de, pour l'acceptation du... Ouais, 2 secondes. Ah, ça, je m'en fous. Putain, ils m'ont bloqué un accès quand même. Hein. On leur fait trop mal. Oh! J'ai 7 de bonheur! Oh. Ouais, moi je suis à 8 de malheur maintenant. LOL! Et putain. Oh la vache! Oh la vache! Ah oui, ils attaquent bien Chichen Itza en plus, hein, ces enfoirés. Hein. Tac. Ouf. Oulala, oulala, oulala. Vous ne passerez pas chez moi. Là, oh yeah. Ça, toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je commence à attaquer leur porte-avions parce qu'ils ont des... Je pense que là, ils sont un petit peu dans le pétrin. Oh, j'aurais pas dû faire ça. On aurait pas dû faire quoi? Non, c'est pas grave. Au final, c'est pas grave. Allez hop, vous débarquez sur le terrain. Hop là, j'encercle avec les escouades XCOM. C'est trop métal. C'est trop métal. Enfin, c'est trop non, bien. Tu répares, s'il te plaît, toi. Je vais décontaminer. J'ai quasiment fini la décontamination. Ici, c'est cool. Ici, voilà. Vous faites un pôle d'air. Un pôle d'air. Vous faites un pôle d'air. Oh, j'ai un hélicoptère sur mon territoire. La route. Oh oui, ça c'est bien ça. Voilà, ça servait à rien mon missile guidé, mais c'est pas grave. Je suis en train de pleine décontamination, en pleine réparation de tout là. Ouais, moi aussi, hein, grave. Sans déconner, heureusement que mes ouvriers sont pas autour de ma capitale, parce que regarde ma capitale, mon pote, tu vas halluciner. LOL!
Mais pourquoi tu t'attaques avec des lances knet? J'adore des lances knet et des bazookas. Mais oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, ça fait mal, hein. Mais oui, c'est clair. Eddie Malou, sort de ce corps. Sort de ce corps. Eddie Malou. Hop là, voilà. Déjà deux bateaux de pêche remis. Allô, il m'en faut un. Deux, il m'en refaut deux. Putain, il y a intérêt à ce que ces bateaux, je les éclate. Hein. Chantier naval, allez hop. Putain, je peux faire des escouades XCOM tous les deux tours là, ça veut rien dire. Non, bombardier furtif. Ah, je peux pas en faire. Oh, je fais des escouades XCOM. Personne. Anjar qui est famine, ouais, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, quoi, hein, parce que moi je fourre, quoi, hein, voilà. Je peux adopter une culture. Une doctrine, pardon. C'est bien ça. Bonheur local plus 1 pour toutes les merveilles nationales. J'avais beaucoup des merveilles nationales. Je sais pas du tout, je crois pas. Pas énormément. Ouais. Bref. En bref, tant pis, même si ça va nous porter préjudice. J'ai 7 de bonheur, je vais rouler sur les Japonais. On va faire ça, là. Ville côtière, production plus 3. Bonheur. Par contre, ici, va falloir que je riposte avec des navires, des sous-marins. Et que, ouais, qu'ils arrêtent de m'attaquer mes bateaux de pêche, parce que mes bateaux de pêche, ils ont rien fait. Et je passe voilà, le tour. On va adopter ça. Voilà. Je passe le tour. Moi, j'en suis très très loin de passer le tour, mamie. Très oui, très très loin. Je veux dire, c'est pas mon problème. Hein. Je pense qu'on risque de faire pas mal d'interludes histoire de rouler un peu, histoire de prendre des villes qui sont pas très intéressantes et d'agrandir le territoire. On fera ça en interlude. Interlude que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Yanamu. Pour l'instant, ils sont en train de te conquérir Chichen Itza. Non, mais non, t'inquiète. Ah, j'ai des messages. Tu as un message. Moi je suis à 9 de malheur, je suis dans la mouise la plus totale. Hop, le laboratoire de recherche, ça apporte du bonheur. Je peux faire une centrale nucléaire. La centrale nucléaire de l'amour. Absolument à rien. Désolé, moi j'étais. Je regardais mon message, quoi. Voilà. Non, parce mec en pleine vidéo. Eh oui, moi je suis comme ça. Je suis un enfoiré. Un enfoirose de première. Tout le monde le savait déjà. Merci, Yannick. Ça me fait plaisir. Et je suis dans deux tours, partout, je débloque un. Je suis premier partout. Ah ben moi je suis en train de perdre, mais grave là. Hein. Moi je suis premier partout. Bien, ça t'a conquis encore une ville là-haut. Ah oui, Sio. Putain, Sio, il est à zéro quoi. Ouais, mais ils ont pas réussi. J'ai un méca colosse dessus. Mais surtout que je vais leur choper IC. Pour cet épisode, on chope IC, puis on va pouvoir s'arrêter là. Hein. Parce après, qu'on est des paix. Sacs. ah non, 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 pas forcément, non. Non. Moi j'ai besoin d'une paix là. Bon, bah on fera j'ai la besoin paix. Un tout petit on peu fera de la paix. Paix. Hein. On fera la paix, on fera la paix. Là, sur ce coup là, j'ai besoin. Bah attends, juste avant, il y a l'Indonésie là qui nous est en guerre là. Ils veulent pas arrêter de combat. Ouais, l'Indonésie, ils sont, bon, bah, tour suivant. Ils sont un peu teubés, les Indonésiens. Bah, l'Indonésie, en même temps, on a rasé leurs alliés mayas. D'ailleurs, s'ils libèrent Chichen Itza, ça sera à nouveau l'apparition des mayas. Le retour des mayas au pouvoir, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, ils m'ont bousillé un bateau de pêche ici aussi. Ah, les enfoirés, il faut que je leur fasse. Faut que je leur ils fasse pas bateau de bousiller de les bateaux de pêche. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est leur passe-temps, tout ça. Ok, bon, alors là, il y a plein de trucs. 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 Il y a plein de. Oh, ils se retirent, les Indonésiens. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, les Japonais se rabattent sur moi. Merde, ça, c'est pas cool. Unité dissoute à cause de manque de moyens de financiers.
Théodore et Catherine déclarent la guerre à Nobuga et à Runarashir. Catherine, elle n'était pas en guerre avec... Non, Théodora, t'as dit. Hein. C'est pas la même chose. Et Catherine aussi. Non, Catherine, elle y est déjà. Non, non. Ben non, Théodora et Catherine sont alliées. Ah, Catherine, pardon, je pensais que c'était la portugaise. Oui, pardon. Oui, t'as raison. Ça, c'est fait. Et un sous-marin en moins. Un bateau atelier. Toi, tu vas réparer ça. Je récupère mon pétrole. Allez, c'est parti. Bah, du coup, c'est la folie là. Hein. C'est le plaisir là. C'est ça. Là, c'est je leur roule dessus là. Je rentre en mieux, mode roulade. Hein. Tant mieux. Ah oui, j'ai un bombardier. Hop là, voilà. Déjà, ils viendront pas me casser les couilles ici. Arrêt. Tu vas manger, hein? Non, parce que bon, ça va maintenant. Hein. Décontamine. Ça, toi, tu restes. Rien à réparer là. Réparer, alors, voilà. Du côté de Issa. Oui, Issa. Alors, il faut que je capture la ville. Putain, il y a trop de zéros ici, ça va pas. Ah, toi aussi, tu demandes d'où ils les pondent. Ouais. Dis-toi bien que moi, les Japonais et les Indonésiens, je les ai quand même repoussés. J'ai repoussé leur bateau grâce à mes trois bombardiers aériens, quoi. Ah ouais. Ah, c'est un mec à colosse qui a été dissous, ils abusent, quoi. Et en plus, il avait une promotion. Mais. Viens là, toi. Je vais me bon, faire ici, tout est réparé. Avec mes méca colosses, ce truc. Ah, moi, j'ai deux méca colosses qui restent par là, on sait jamais. Ce serait cool qu'on se fasse ici avant la fin de l'épisode. Ça serait peut-être bien. Machin réclame des clous de girofle. Mais je m'en fous! Les clous de girofle, tu sais ce que tu veux, hein? Bon. Non, parce que bon. Je gagne plus que 154 d'or par tour. 155, hein. Oula, c'était quoi ce bruit de piaf là? Oulala. Ah, mais pourquoi je fais. Ah, mais les lance-roquettes, il faut de l'aluminium. J'ai pas d'aluminium. Bien sûr. Je vais faire des sous-marins nucléaires. Et alors, Léon? Cette musique est tellement belle. Hey, t'as un emplacement de perles que t'as pas utilisé. Et il est envahi par les... Ah ouais, mais plus maintenant. Ils se sont retirés. Mais juste avant, il l'était. Ils se sont retirés, t'inquiète. Ils se sont retirés, excuse-moi, mais l'Indonésie, ils sont juste à côté. Hein. Ouais, mais bon. Ils me l'ont pillé juste avant, dans la forêt. Ouais, bah c'est bon, ils sont partis maintenant. Non, non, ils sont pas partis. Non, mais ils sont plus sur la case. Essaie de défendre tes villes côtières, toi, on en reparlera. Bah oui, bah moi tranquille, y'a pas de problème. Le mec. Oh. Bon, tour suivant, que je puisse enfin finir un tribunal. Et moi j'ai envie histoire de perdre un petit peu de malheur. Moi faut que je capture ici. Faudrait qu'on réussisse à la capturer avant la fin du temps, il reste 6 minutes. Ouais, enfin c'est bon, hein. On n'est pas non plus à 5 minutes près. Et je veux dire voilà quoi. Bon, alors... Oui, voilà quoi. Oula, faut qu'on nique. Non, je déconne.
Oh, oh Learn to Play. Il y a trop de trucs là. Depuis le temps que j'attendais cette proposition de ta part. Oh, putain, j'ai plein de trucs qui sont morts là. Ouh là là. Oh, ils ont repris Cork. Ouh là là, ouh là là. J'ai perdu plein d'Isquad XCOM de l'amour. Alors, déjà ça. Merde, je me suis gouré. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis à zéro de bonheur. Zurich, je vous déclare la guerre. Mais j'ai gagné 10 millions d'habitants, ouais, ouais. Mec. Un ennemi, il se proche, je vois ça, les gens, je vois ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, là? Mais, et les Indonésiens, mais c'est des... Oh, j'ai perdu mon sous-marin. Fuck. Alors, Xcode XCOM de l'amour qui va me faire un petit point de bonheur à Very Swift. Voilà. Allez, toi tu vas décoller. C'est comme tu fortifies. Toi tu vas rester là au coin parce qu'on sait jamais. Ça peut, on peut avoir besoin de toi. De toute façon, je fais des escouades XCOM pour qu'elles aillent se faire démonter sur le terrain. Donc, vous êtes là pour ça, hein. Vu à la vitesse où je les produis. Comment ça? Oh non! Ah non, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. Grosse frayeur. Ouh, il a gros mouvement d'avion là. Le japonais. Ah. Moi, j'ai en général illustre. Génial, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Hop là. Ah, t'es promu, toi, tu as un sentinelle pour une fois. On va en mettre un sentinelle. Répare, coco. Alors... Fini de réparer, toi? Eh ben non, t'as pas fini de réparer, t'as vu. Toi, tu répares. Trololololo. Alors, toutes mes exquadiscom sont bonnes. Résistance encore pendant deux tours ici, c'est cool. Et il est pillé, lui? Oh, j'ai... Ah oui, le... ah oui, d'accord, j'ai carrément agrandi mon territoire, là, encore. C'est bien, c'est bon ça. Alors, le Portugal dénonce Byzance, c'est d'un prix famine, t'inquiète pas, mon ami, ils arrivent. Il est là, le mec, il va réparer. Voilà, et le deuxième, il arrive aussi, t'inquiète pas mon ami. Il est là, il va réparer, ah, il peut plus se déplacer, au prochain tour il répare, promis. Promis. Putain, c'est en bas donc. C'est trop le moment pour leur défoncer des unités qui sont par bateau. Oh là là. Des lance-roquettes. Paf. J'aurais détruit un marchand illustre. Oh non, je suis deg. Ça a pas marché. Toi, tu vas faire un écurie. Dougia. Ah ben, ici, toi, tu vas me faire... Oh, un amphithéâtre, tiens, deux tours. Il y a un cuirassé en moins. Ah, cuirassant, enfin. Allez, un monument historique, s'il te plaît. Bonheur plus 2, c'est vital, ça. Japon et Zurich sont alliés. Zurich nous a déclaré la guerre. Zurich a déclaré la guerre à Todra Catherine. Une unité ennemie a été repérée sur mon territoire. Oui, t'inquiète pas, elle va mourir au prochain tour. Allez, les méga-colosses, là, ils vont faire le boulot, ils vont faire le taf. C'est ça. Alors, toi, est-ce que tu as un truc qui peut m'aider? Ouais, t'as un stade, là. Bonheur plus 2, hop, hop, hop. Oh, et bientôt, je vais avoir un zoo. Edimbourg n'est plus dans la... Dans la famine. Allez, tour suivant. Attends, deux secondes. N'empêche, les Indonésiens, comment on les a repoussés, quoi. Putain, merde. Oh. Du coup, je vais peut-être pas réussir à prendre l'IC, mais c'est pas grave. Allez, Squad XCOM. On peut faire un tour de plus, hein. Non, c'est bon. De toute façon, si t'arrives à prendre ici, ils la reprennent de suite, hein. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ouais, c'est pas grave. Au prochain tour, on arrête. Ok, donc on passe encore un tour après celui-là, et puis après on arrête. Ouais. Non. En bref, on passe ce tour, et après on arrête. Oui, voilà. Voilà. Oui les gens, parce qu'il faut clarifier la situation. Hein, voilà, hein.
Donc, bienvenue également à ceux qui nous rejoignent et qui ont fini l'interlude numéro 6. Voilà, elle dure à peu près une heure. Ouais. Vous arrivez maintenant, puisque vous avez oublié d'arrêter votre vidéo comme des plots que vous êtes. Notamment les abonnés de l'Entouplé, parce que les miens, les abonnés, ils sont très beaux, ils sont très bons. Voilà, quoi. Je les douche, je les brosse, tout ça. Bref. D'accord. Ah, mais c'est intéressant. Câble, c'est hein. Non, mais Yanamu, non, mais j'aime bien. Câble. Non, mais ça me plaît, moi. Mais quittez. Oh. Allez, il sera bientôt à moi. Dès que je finisse Tribunal ou dès que j'ai un point de bonheur, j'annexe Anjar, qui est quand même une ville à 10 habitants, donc c'est très intéressant de l'annexer et d'enlever le statut de ville fantoche. Oulala, oulala, oulala. Tant que ça. Ça devient sérieux. Ah, on dérouille, hein. Oh, ils m'ont pété un méga colosse de la mort. Ah bah ça, de toute façon, ils m'ont pété 3 ou 4. Hein, ouais, bon, il sait, va falloir, je vais pas pouvoir la prendre maintenant, faut que je me défende. Ils ont trop d'unités, c'est chaud. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher. On s'arrête là, sérieux ? Oui, oui, on s'arrête là. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. On va se faire une interlude un autre jour, je sais pas quand. Juste après, je sais pas. Non, pas juste après, je dois faire un montage. Et Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis. Allez, sur ce, à toi Yanamu. Donc je te remercie pour la parole, en tout plaît, sache bien que cette parole est grandement appréciée. Donc merci à tous de nous suivre, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Franchement, on en parlait tout à l'heure avec l'entouplet, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, on a plus besoin de vaseline maintenant quand on est entouplet. Bref, donc merci à vous, franchement, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Voilà, exactement. Continuez à lâcher vos commentaires, continuez à lâcher vos pouces verts sur ma chaîne, vos pouces rouges sur la chaîne de l'entouplet, en référence à son logo, bien entendu. voilà. Exact. Merci mille fois, merci aux plus de 310 abonnés maintenant qui me suivent, parce que c'est important de le préciser quand même, voilà. Voilà, hein, moi je te félicite aussi. Ouais, merci, t'as vu, ça monte petit à petit, hein, voilà, ça prend son temps, tranquille ou pépère. Mais bon, je cherche pas à la monter non plus, donc bon, je suis bien content. Et puis on se retrouve très très bientôt. Ouais, tout à fait. Yanamu ? Yanamu ? Bon, bah, je sais pas si c'est passé, mais Yanamu a... On a perdu le contact radio avec Yanamu. Oui, il y a un problème avec Skype, problème avec Internet. Bref, c'est pas très grave. Sur ce... Ah, ouais, il y a eu un petit... Il a dû avoir une petite déconnexion. Voilà, en tout cas, sur ce, j'espère...